ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GameFun pour une nouvelle vidéo sur Darkest Dungeon, le donjon ténébreux. Alors, qu'est-ce que ce titre ? C'est un jeu de rôle roguelike, véritable coup de cœur pour ma part, en tout cas, de par son ambiance, ses graphismes totalement peints à la main, à l'encre de Chine, vous allez voir, c'est superbe. C'est vraiment une ambiance très particulière qui n'est pas sans rappeler un petit peu les titres de Clay Entertainment, tels que Don't Starve, Oxygen non Included, etc., etc. Voilà, c'est vraiment un type de graphisme que vraiment à l'ancienne, entre guillemets, qui me plaît énormément. Et vous allez voir que le jeu, le principe du jeu n'est pas en reste, et il nous promet de belles heures de jeu devant nous. Alors, j'ai déjà commencé la campagne. Je voulais pas vous infliger le début, qui est un petit peu bof, un petit peu en dessous du reste du jeu. Donc en fait j'ai un petit peu avancé dans la campagne, une campagne en mode normal, comme on va le voir, voilà, en mode ténébreux. Vous voyez que je suis arrivé semaine 11, et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, le pitch du jeu. Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Ok, magnifique voix, monsieur. Alors, nous voici arrivés au hameau, le domaine ténébreux, comme vous pouvez le voir. Ça, on peut le renommer, je ne l'ai pas renommé, parce que bon, Osef. Et donc, le principe, c'est que vous l'avez vu dans l'intro, un cinématique d'intro, qui était magnifique. On hérite de ce domaine, de ce hameau, qui est totalement délabré au début du jeu. Là, vous voyez que j'ai amélioré quelques petites choses qui le rendent un petit peu moins délabré. Et donc, il va falloir retaper ce petit hameau, lui redonner ses lettres de noblesse, on va dire, avec des quêtes, des aventures que l'on va mener avec des personnages que l'on va devoir recruter via la petite carriole, la petite diligence qui est ici. Recrutement de nouveaux héros. Et vous voyez que moi, déjà, j'ai déjà une belle petite brochette de losers. Alors c'est pas péjoratif ce que je dis, sont vraiment des losers à la base, vous voyez, niveau 1, niveau 0, voilà, sont des personnages qui ne demandent qu'à devenir des héros. Et pour cela, il va falloir qu'on les envoie, entre guillemets, à l'abattoir, en les envoyant dans des missions plus périlleuses les unes que les autres. Chaque personnage bénéficie de caractéristiques qui lui sont propres, de compétences également. Mais il souffre également de certaines afflictions. Alors une affliction, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de maladie mentale, de problèmes mentaux
qui vont les brider sur certaines actions. Par exemple, si je prends, par exemple, on va prendre Grelottine, voilà, on voit qu'elle a la phobie de la crique en affliction, ce qui veut dire qu'elle a plus 20 dans la elle a des dégâts de stress plus 20 dans la crique. Quand elle se trouve dans la zone de la crique, elle va se bouffer plus 20% de stress. Alors le stress, vous allez me dire, ouais, tu mélanges tout, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, vous voyez que chaque personnage dispose de plusieurs attaques. Certaines sont bloquées, certaines sont débloquées. On va pouvoir les utiliser en combat, parce que ce jeu, ça va être une succession de combats contre des monstres, de l'exploration de donjons, etc., etc. Vous avez sur chaque personnage une barre de vie, bien sûr, et une barre de stress. Alors, ça c'est nouveau, parce que moi j'avais jamais vu ça dans un jeu. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que vous en connaissez un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je suis toujours preneur de bonnes informations, comme on dit. Et donc cette barre de stress va augmenter par rapport à des actions ratées. Si vous loupez une action, si un de vos personnages loupe une action dans un donjon, et ben tout simplement, sa barre de stress va augmenter. Si la barre de stress est totalement remplie, il se peut, il y a de fortes chances que votre personnage pète un câble tout simplement et devienne soit paranoïaque, soit très peureux, refuse le combat, etc. Donc ça peut vraiment être une caractéristique qui peut très lourdement vous handicaper lors d'un combat. Hein. Donc ça, il va falloir prendre tout ça en compte. Vous voyez, par exemple, si je prends Igou, maladresse, esquive moins 5, peur des impies, voilà, et dégâts de stress augmentés, enfin voilà, c'est... Chaque anti-héros, on va dire, a une affliction à la base. Et on va pouvoir en choper de plus en plus au fur et à mesure des quêtes que l'on va mener à bien ou non. Bah, ou non, ça veut dire que le personnage est mort. Parce que oui, ici, il y a une notion de mort permanente, c'est-à-dire que si un personnage meurt, quel que soit son level, hein, il disparaît. Vous ne l'aurez plus jamais. C'est-à-dire que, voilà. Après, vous pouvez avoir un style de personnage qui s'apparente à celui que vous aviez, mais voilà. Sinon, en gros, c'est de la permadef, donc... voilà, inutile de pleurer, votre personnage disparu ne reviendra plus, et il apparaîtra au cimetière, et où nous pouvons voir les héros morts. Vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns qui sont morts. Vous voyez, Corbino, Grisou, Pustulax, Partenay, Canouville, tous ceux-là sont morts pour la bonne cause, pour le domaine ténébreux. Donc, en fait, je vais vous expliquer tout de suite les bâtiments. Donc, nous avons un spécialiste de la survie que j'ai pu débloquer. La taverne qui permet de réduire le stress de trois manières différentes. C'est-à-dire, vous voyez que j'ai déjà des personnages qui sont dedans. Noyer les problèmes dans l'alcool. Le frisson du gain. La maison close. Le plaisir de la chair. Magnifique. Nous avons également le sanatorium qui va nous permettre, dans l'aile psychiatrique, de traiter les attributs et autres comportements problématiques. Donc, on va pouvoir soigner ces fameuses afflictions. Ici, dans l'aile médicale, on va pouvoir soigner les maladies et les afflictions physiques, comme le saignement, l'empoisonnement, etc., que les personnages auraient pu contracter. Donc ça, c'est très intéressant, ça peut vraiment sauver des personnages très mal en point. Nous avons l'abbaye également, qui nous permet de trois manières différentes de faire descendre le stress pour ceux qui sont autorisés à y rentrer. C'est très intéressant. Nous avons également la guilde qui va nous permettre d'améliorer les capacités de combat de chacun de nos personnages. La forge également qui va nous permettre d'améliorer la puissance de nos armes. Nous avons la vendeuse nomade qui, elle, va nous vendre des babioles qui sont magnifiquement hors de prix. Donc pour l'instant, j'ai pas encore testé. Et nous avons la diligence, bien entendu, qui va nous permettre de voir arriver de nouveaux postulants à la mort, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc dans ce jeu, ouais, il va vraiment pas falloir vous attacher à vos personnages, parce que, comme dit, il y a très peu de chances qu'au bout d'un moment, ils survivent. Après, le but du jeu, c'est quand même de les faire monter de niveau, de les rendre de plus en plus puissants, de plus en plus agressifs et de plus en plus résistants aux attaques ennemies. Et on va voir comment ça se passe directement, parce que là je discute beaucoup, je vous donne pas mal d'infos en bloc, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc nous allons directement embarquer pour une aventure, et voici la carte. Donc vous voyez que nous avons plusieurs zones de jeu. Celle-là je l'ai bien utilisée déjà.
Donc là, on va enlever ce personnage-là qui n'a rien à y faire. Et quand on clique sur une quête, vous voyez ce que vous pouvez gagner. Donc vous voyez que c'est une quête de durée moyenne, donc qui est assez... pas trop longue, pas trop courte. Apprenti niveau 1. Vous voyez que moi, mon personnage le plus puissant est niveau 2 pour le moment. Donc, ça va très bien. Éliminer un apprenti nécromancien, d'accord. Ensuite, on peut aller là-dedans. Compléter 100% des batailles de la chambre, très bien. Là, nous avons pareil. Ici, nous avons une cape de célérité qu'on peut avoir. Activer 3 hôtels corrompus, très bien. Ici, on a une vétéran, niveau vétéran, donc niveau 3, vous voyez que moi, je peux pas le faire. Parce que si je me lance là-dedans, c'est sûr que aucun de mes losers ne va revenir vivant. Ça, c'est clair et net. Alors, vous voyez qu'on peut faire une équipe de 4 personnages maximum, 4 recrues et pas plus. Donc ça, c'est assez, ça peut être assez problématique. Donc, on va commencer avec une quête courte d'apprenti niveau 1. On va compléter 100% bataille de la chambre dans le Wild, qui est une sorte de forêt un petit peu démoniaque. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme personnage, Donc, nous allons prendre une barbaresse. Nous allons prendre... il nous faut un healer... Alors, les petites cases que vous voyez là, c'est le niveau du stress du personnage. Hein. Donc, on va essayer de prendre lui... peut soigner. On va le mettre en dernière position. Nous allons prendre Bec de Lièvre. On va aller tester. Je les connais pas du tout. Les niveaux 0. On va voir ce qu'il vaut. Hein. Et on va prendre Stylana. Non, Stylana est déjà pas mal stressée, il me semble. Mais bon, on va la prendre quand même. Allez, c'est pas grave. Ok, notre équipe a l'air plutôt pas mal. Par contre, je vais juste vérifier parce que il y a une importance. Vous voyez que les positions préférées peuvent augmenter un petit peu... pas mal de choses. Donc lui du coup je vais pas le prendre. Je vais prendre plutôt... On va prendre Vol à la tire qui est niveau 2, qui lui se plaît bien dans les positions intermédiaires. Donc c'est très bien. Lui normalement il va à la fin ou au milieu. Ouais, très bien. Et elle au début. Parfait. Notre équipe a l'air assez équilibrée. On a un healer. On a une personne qui peut empoisonner, infecter les autres, les ennemis. Nous avons un voleur qui permet de faire des dégâts à distance. Et nous avons la barbare qui fait des dégâts assez énormes et des stuns de fou. Donc pour partir à l'aventure, on prend bien entendu des provisions. Alors il y a la nourriture est très importante car elle va nous permettre de reprendre de la vie à intervalles réguliers et de pouvoir se régénérer un petit peu la santé mentale, etc. Donc là nous allons prendre... on va prendre 2 pelles, nous allons prendre 2 bandages, une clé... Et nous allons prendre beaucoup de torches par contre. On va prendre 9 torches et on va prendre de la bouffe. Alors vous voyez que mon argent descend très très vite. On va prendre 12, voilà, très bien. Une fois qu'on est prêt, qu'on a pris tout ce qu'il nous fallait, on embarque et on est parti dans l'aventure. Et là vous allez voir comment se passe le jeu. Et c'est là que la magie opère, j'ai envie de dire. Car c'est un jeu qui se passe au tour par tour, mais de manière assez dynamique quand même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir diriger notre personnage, notre groupe de personnages. Ok, t'as toujours une magnifique voix mon gars, mais voilà. Ok, donc là on voit que on peut progresser directement avec le clic de la souris. On peut diriger notre groupe, hein, notre groupe avance. Vous voyez les graphismes, hein, moi j'adore, c'est vraiment... un kiff total. Et donc, nous allons avancer vers cette pièce. Et nous voyons qu'il y a une pièce avec combat et curiosité. Donc, on va pouvoir s'y rendre. Alors là, vous voyez que j'ai des déchets d'un squelette d'une bestiole. Je vais pas y toucher parce que j'ai un risque de me faire infecter et j'ai pas trop envie. Donc, on va prendre Stylana qui est assez stressée. Et une malle abandonnée. Est-ce qu'on peut utiliser la clé? Yes! Donc là, on récupère quelques petites babioles, bien senties, bien... des herbes médicinales, un peu d'or, bref. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, on progresse. Oh, premier combat les amis, alors regardez. Nous avons des espèces de sorcières et des espèces de Wolverine démoniaques. Et là, la première phase de combat va opérer tout simplement. Donc là, nous allons jouer avec Lancto qui est un occultiste, hein, qui dispose de pas mal de pouvoirs. Donc nous allons utiliser celui-ci. Voilà, qui permet de déplacer ce personnage-là qui
va être vraiment... Oh, il a esquivé, magnifique. Qui va être vraiment notre priorité au niveau de... des tueries. Il va falloir qu'on tue ces deux femmes. Et pour ce faire, je vais utiliser... l'empoisonnement, l'infection, malus, elle est infectée, elle va perdre sa vie progressivement. Donc ça c'est très bien, je vais essayer de stunt les deux premiers. En espérant avoir une réussite, étourdi, magnifique. Alors oui, ce que j'ai pas dit sur ce jeu, c'est que c'est basé sur un RNG, donc qui signifie Random Number Generator, donc c'est des nombres de générés aléatoirement. Faut savoir que toutes les maps sont générées de manière procédurale, donc vous ne trouverez jamais les mêmes maps d'une partie sur l'autre, donc ça c'est un très bon point. Et c'est surtout que... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis perdu dans mes... dans ma réflexion, j'en suis désolé. Oui, donc chaque attaque que vous allez faire sera totalement due au hasard. C'est le jeu qui va calculer le nombre de points que vous allez faire de dégâts. Par exemple, si j'utilise cette attaque-là... Voilà, regardez, 4-5-5. Bon, j'ai eu de la chance, ça fait des bons dégâts quand même. Mais il aurait pu avoir 0, 1 et 1, par exemple, vous voyez. Donc c'est totalement... des fois, ça peut être vraiment désavantageux pour vous. C'est-à-dire que le jeu va vous pourrir la vie avec, avec des capacités d'attaque vraiment minables. Ou alors, au contraire, des capacités vraiment excellentes. Ok, elle est morte. Voilà, je l'ai tué un déjà, et vous voyez que son cadavre reste. Donc ce cadavre peut gêner. Ça peut être très 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 embêtant. Donc il va falloir dégommer tout ça. Allez, on attaque. Ok, ils ont perdu pas mal de vie. Je suis pas trop mal là. Pour l'instant, j'ai pas perdu trop de vie. Ah, lui, il m'a tapé, je saigne. Donc du coup, je suis un petit peu dans la merde avec lui. Parce qu'il va perdre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a rien de vraiment... embêtant pour le moment. On gère bien. Lui, il est infecté également. Vous voyez, il est mort. Mort dû à l'infection. Ça, c'est un personnage qui est très, très puissant. Là, on va les rush. Voilà. Ils sont pas morts, mais pas loin. Et là, on achève. Voilà, parfait. Magnifique tir. Et on récupère le butin qu'ils avaient. Donc, ça fait toujours plaisir. Par contre, vous voyez que je ne peux pas me soigner en dehors d'un combat. C'est-à-dire que si je veux le faire là, je ne pourrais pas. Ok, là on va... Une carte des environs, voilà. Donc ça c'est bien, ça va découvrir un petit peu la zone. Donc ça c'est agréable. Alors, on va continuer. Donc nous allons aller vers ici. Et on va continuer d'avancer. Ah pareil, une carcasse, je vais pas le toucher. Alors faut que je me méfie, les deux ont un niveau de stress là qui est à la moitié. Et ça ne me dit rien qu'il vaille, donc là on va s'attaquer à ces deux derniers qui font de gros dégâts. Non, d'ailleurs je vais soigner lui, je vais en profiter. 7 points, vous voyez, j'ai de la chance, le jeu est sympa avec moi. Ça c'est plutôt cool. Oh, critique, il m'a mis un coup critique dans la face de ma barbaresse. Et vous voyez que la position de mes personnages a changé, ce qui fait que je ne vais plus pouvoir utiliser certaines caractéristiques de certains des personnages, vu qu'ils ne sont pas à la place qu'ils aimeraient occuper. Donc ça peut être très 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 embêtant. Est-ce qu'il y a un saignement? Ouais, je l'ai fait saigner. Vous voyez que lui est très très puissant. Allez, on va les stun. Ça marche, ça passe. Parce que des fois, ça ne peut ne pas passer. Et là, vous êtes dans la merde. Oh, regardez-moi ce magnifique esquive! Oh, magnifique, je vous aime, les gars! Encore une esquive! Double esquive! Vous êtes surpuissants, les amis! Je vous kiffe! Donc là, on va continuer d'attaquer. Voilà, 5 points de dégâts, sachant qu'il est en saignement. Je pense qu'il va pas tarder à mourir. Ici, on va balancer une petite fléchette. Qui va... Ah, il a résisté! Vous voyez, il a résisté à l'empoisonnement. Donc ça, ça peut être problématique. La critique... Ça remonte le moral, les critiques. Par contre, il m'a soigné que de 2. Et vous voyez que mon stress augmente. Donc je pense que là, les deux, là, ils sont mal barrés. Ok, lui, il m'a fait de gros dégâts. Mais ils ont résisté au saignement. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Une petite charge, peut-être. Allez. Parfait, je viens d'en tuer un. Voilà, voilà. On va continuer avec...
c'est leur tour. Vous voyez que la luminosité aussi descend à une vitesse dingue. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser les torches. Voilà, ça c'est très bien. Et là, je peux taper. Ils ont esquivé. Ah, les fumiers. Ah, vous voyez que des fois, ça peut être très, très, très problématique. Allez, on va essayer de l'empoisonner, lui. Il est infecté, parfait. C'est superbe. C'est pour ça que j'adore ce personnage-là. Ok, on va leur rentrer. Non, je vais leur mettre un stun, plutôt. Ça me permettra de gagner un tour. Donc ça, c'est plutôt bien. On va se soigner la barbaresse. 7 points, très très bon. Vous voyez que ça remonte bien. Oh, 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 oh. Malus, très bien. Pas très bien, je dis très bien, mais ça me plaît pas. Mais ok, je vais soigner lui. 4 points, très bien. Il a résisté au saignement. On va rebalancer une petite... Une petite seringue, pareil, il est infecté, il est mort. Voilà, ça c'est super efficace. Saignement et voilà, regardez. Je les enchaîne, mais c'est juste magnifique là. Lui, on veut lui mettre un petit coup de poignard dans la gueule. Saignement malus, c'est bon ça. On va lui crier dessus pour pas qu'il puisse m'attaquer. Il a résisté. Oh mince. Bon, ok, c'est pas grave. Moi, j'esquive. Oh, vous me faites plaisir les amis. C'est magnifique. Allez, est-ce que je l'ai infecté? Yes, infecté. Voilà, c'est quasiment joué. Hein. Voilà. C'est même joué. On gagne 350 d'or et 2 pierres de jade. Donc c'est magnifique. Pour les finances, il n'y a pas mieux. On continue d'avancer. Direction la porte. Et là, on arrive dans une nouvelle zone. Donc on va prendre la carte. Et dans la carte, on voit qu'on peut arriver ici. Voilà. Oh, je me suis bouffé un piège, je l'ai pas vu. Voilà, il est infecté. Okay. Donc lui, on va lui faire ouvrir. Des legs cachés, très bien, j'ai gagné une torche, ça c'est très bien, donc on va l'utiliser de suite. Voilà, histoire de remettre un peu plus de lumière, car si on joue dans la pénombre, eh ben on a des malus de fou, et le stress augmente de manière vraiment énorme. Ok, encore une torche, c'est parfait. Là, on a une page de journal, bribe de journal. On peut la lire. L'attaque fut renversante. Cuthbert abattu et Boleyn tombé. Je fus pris de rage. Je bondis et enfonçai ma hache dans les nombreux yeux de la créature. Boum. Un ichor violet éclaboussa mon visage et mon âme fut ébranlée par ses hurlements. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est d'avoir perdu connaissance. Ok, très bien. Bon, bah... Ça nous avance pas trop. On sait qu'il y a une créature vraiment dégueulasse qui nous attend. Et nouveau combat, regardez. On a des nouveaux types de persos, des espèces d'hommes champignons, une prêtresse qui va nous augmenter notre stress, et une espèce de... Comment on peut appeler ça, un dingue, quoi. Un fou. Donc direct, on va les cibler. Ah, je l'ai loupé. Voilà. Ça, c'est vraiment le RNG. Merci, le RNG du jeu. Alors des fois c'est totalement injuste, hein. Mais c'est ça qui est bon, car la victoire n'en est que meilleure. Donc là on va pouvoir soigner. Oh, 11 points, magnifique l'occultiste, tu es trop fort. On va les stunt, du moins on va tenter. Étourdi, ouais, superbe. Là on va leur mettre une petite volée dans la gueule. 3-3-4, ça va, c'est pas trop mal. Ok, ils ont un bonus, ils sont sortis de l'état de stun. Par contre, je vais retenter. Voilà, là j'ai touché. Elle a résisté, malheureusement elle a résisté. Alors, vous voyez que chaque monstre a des stats. Hein. Également. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Je sais, je vais sûrement en oublier. Donc j'en suis vraiment désolé. Ça se fera avec les vidéos. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez tout si ce n'est pas encore déjà le cas. On va les stun. C'est vraiment du tour à tour, du tour par tour. Ils ont résisté. Ah, zéro. Voilà. Le RNG. Merci. Merci, le RNG. Le jeu m'en veut. Par contre, les esquives, ils sont forts. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Le niveau de stress est quasiment maximal pour ces deux persos-là. Je pense qu'ils vont bientôt sombrer dans la folie. Donc, ça va me permettre vraiment de vous montrer. Regardez, le stress continue d'augmenter. Allez. Il faut qu'elle soit infectée. Voilà, c'est bon. Elle est infectée ce coup-ci. Elle est morte. Et là maintenant, on va les saucer.
plutôt pas mal tout ça. Alors je vais la soigner elle. 8 points, ça c'est plutôt bien. Je suis assez satisfait de ça. Ok, lui il me fait mal. L'homme champignon, on va essayer de les stun. Étourdi les deux, superbe. Donc ça veut dire qu'ils vont passer leur tour. Et c'est à moi de jouer. Allez, on y va. 3, 2, 3. Ok, ils sont costauds ceux-là par contre. Oh là 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 là, il a résisté, magnifique occultiste. Allez, on est reparti. Lui il a résisté, lui étourdi. D'accord. Allez, on va continuer à les infecter. Il a résisté, il est très résistant celui-ci. Hein. Je pense que c'est le véritable ennemi du jeu de cette game. Voilà, frayeur. Il a chopé une affliction, l'occultiste. La peur est une construction mentale. Ah, je dois me replier avant que la peur me fasse perdre le contrôle. Alors vous voyez que là je suis un petit peu... Là il recule d'un tour par contre. Je peux toujours m'en servir. Oh ça c'est magnifique ça par contre. Il commence à être complètement fou celui-là. C'est très très dangereux. Allez hop. On va essayer de les tuer quand même. Hein. On va pas... On va quand même pas... Lui il fait très mal au niveau du stress. Il m'augmente le stress. Ils vont tous finir fous les mecs. Ces créatures sont une invitation à la mort, faite de meurtre. Ok, ok. Allez, on y va. On va se soigner. Alors, j'ai aucun personnage qui n'est capable de soigner la santé mentale des autres. Ça, c'est un peu dommage. Allez, vas-y. Essaye de l'infecter. Il résiste, hein. Il ne veut pas être infecté, celui-ci. Manqué. Pas mal, bien joué. C'est dommage, parce qu'au niveau de la vie, je suis nickel. C'est vraiment le niveau de stress qui déconne, hein. Et vous voyez que ça peut vraiment foutre la merde. La plus totale. Allez. Étourdi. Les deux sont étourdis. C'est magnifique. Allez, on va y continuer d'essayer de l'infecter celui-là. Ah, c'est bon. J'ai réussi à l'infecter. Il va bientôt mourir. Donc ça, c'est plutôt bien. On va se soigner. 11. Parfait. Il a retrouvé toute sa vigueur. Toute sa vitalité. Lui, il est mort. Allez, on va continuer de les stun pour éviter qu'ils bougent. Et nous infliger des dégâts. Allez, c'est parti. Alors, il y a plusieurs moyens de diminuer le stress. Soit en faisant des critiques, des attaques critiques, ou des opérations critiques, style du soin, ou une attaque vraiment critique. Donc, ça nous fait gagner un petit peu de... Ça nous fait perdre du stress, pardon. Ou alors, vous avez des personnages spécialisés, comme le bouffon, qui vous permettent justement de faire baisser le stress des autres. Le paladin est capable aussi, je crois, de tels actes. Ok, étourdi, résisté. Lui, il va attaquer, je pense. Je vais essayer de l'infecter. Il a résisté, évidemment. J'ai pas de chance, franchement, j'ai pas de chance. Il m'a esquivé, celui-ci. Allez, on y va. On y croit. Il est infecté. Parfait. Lui va mourir, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire ça. Allez, sur lui. Voilà, il a un malus. Il lui a collé un malus. Et là, je vais pouvoir le tuer, normalement. Parfait. Et là, on récupère des biens. Toujours, on récupère des trésors, vous voyez, qui vont nous améliorer notre condition au niveau de la réfection du hameau. Donc, on va se diriger vers ici. Alors, ce que je fais, c'est totalement pas prudent. Quand vos personnages sont dans un tel état de stress, c'est absolument pas prudent de faire ce que je fais. La détermination... Ah, irrationalité, elle devient irrationnelle. Elle a pété un câble aussi. Donc là, vous voyez que c'est un peu... Ça va être problématique. Je vais augmenter la luminosité avec des torches. Ça, je sais pas ce que c'est. Allez, elle veut y aller. Ok, ok. On continue. Oh, ils veulent manger, ils ont faim. Très bien. D'où l'intérêt d'avoir des rations, vous voyez. On va prendre une pelle. Ça va nous éviter de choper des maladies ou de pisser le sang ou des conneries comme ça. Voilà, voilà. Donc là, nous sommes un embranchement. Ok, donc voilà, je vois qu'il y a un combat, une curiosité et une pièce avec un trésor. Donc ça m'intéresse fortement. Ok, toi, tu vas ouvrir cette caisse. Contient des legs cachés. Ok, un tableau. Ça, c'est très bien. Un portrait. Là, le combat. Oh là 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 là. Alors, ceux-là, ils sont chiants parce qu'ils se dédoublent. Ils créent une espèce de clone d'eux-mêmes à un moment donné du jeu. Et ça, c'est pas terrible.
Ah, désespoir! Elle sombre dans la folie aussi. There can be no hope in this hell. Où s'envole le faucon? Son esprit guerrier abandonne mon âme. Oh là 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 là. Là, je suis pas très bien, donc on va leur foutre direct une malédiction sur la gueule. Avec un petit malus qui leur fait perdre de la vie. Ici, bim, on leur balance une infection, évidemment, ça a résisté. Sinon, c'est pas drôle. 4 et 5, c'est très très bon. Cette attaque est dévastatrice. Ça fait vraiment très mal. Avec tous les malus que j'ai sur la tronche, je vous garantis que ça va pas être simple de remporter la victoire. Mais on va essayer quand même, regardez. Boum. Ils ont résisté les deux. Alors, ce qui est marrant, c'est que les personnages parlent à tout bout de champ suivant leur état. C'est assez marrant. Même en ville, on pourra le voir plus tard que les personnages racontent un petit peu leur vie, leurs états d'âme, etc. C'est très très bien fait. Allez, on va essayer de les infecter à nouveau. Infection, parfait, c'est passé. Je suis assez content. Allez, 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 j'avilirai tout le bordel, vas-y. Ouais, bien joué. Bien joué, niveau 2 fait pas mal de dégâts. L'accumulation de victoire accroît l'endurance. Ok, très bien. Par contre, j'ai eu aucun loot, vous voyez. Ces bestioles-là n'ont aucun loot. Allez. Il n'y a presque plus de lumière. Il va falloir que je fasse attention. Encore un combat. Je vais devoir cramer une torche ou deux, à mon avis. Or, peut-être même plus. Ah, il m'augmente mon stress encore. Voilà. Là, on est plutôt bien. Alors. On n'a pas besoin de mettre de vie, donc celle-là, je vais la tirer vers devant. Ça me permettra de mieux la défoncer. Ok, très bien. Allez, on leur en met plein la gueule. Toi, je vais essayer de t'infecter. Elle est infectée, c'est parfait, le poison va faire son œuvre. Esquive, très fort ça, très très fort, c'est parfait. Ok, ok, ils pètent des câbles, hein. Ils pètent littéralement des câbles, c'est trop marrant à voir. Je pense qu'ils vont faire des stages poussés, ces quatre, dans les établissements, auberges, sanatoriums et compagnie, abbayes, parce qu'il va falloir faire baisser ce putain de stress, les amis. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là. Vraiment pas cool ça. Allez, je vais essayer de l'empoisonner elle aussi. Elle a résisté. Elle est infectée quand même. C'est bon. Incantation stressante. Aïe, 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 aïe. Il va passer dans la folie lui aussi. Ah, paranoïa. Il devient paranoïaque. Oh là 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 là. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok, c'est pas grave. Nous allons faire autrement. Ah ouais, carrément, il tire à vue lui. Il n'y a même plus besoin de le gérer, la paranoïa le fait agir à notre place. Donc là, il est un petit peu dans la merde. Et vous voyez que là, ça se remplit. Lui, il est vraiment très très mal. Hein. Il est vraiment très très mal. Donc du coup, elle, on va la tirer devant. Allez, viens par là. Merci bien. Ma faiblesse fait honte aux autres. Oh là là, elle back. Toujours stunt, puisqu'elle est bien en première et deuxième position apparemment. Mais ça peut poser problème. Allez, allez. On va essayer de les infecter. J'adore cette attaque avec elle. Je prends quasiment que cette attaque. Parce que je la trouve vraiment très classe. Voilà, ça c'est beau ça. 8 points. Il reprend un petit peu courage. Ça c'est plutôt cool. Ok, on va passer par là. Allez, viens devant. Oh là 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 là, 4 points de dégâts. Allez, je vais les stun. Du moins, je vais essayer. Allez! Ouais, étourdi les deux. Magnifique. C'est bien joué, ça. Très bien joué. Malgré tous les malus que j'ai pris dans la gueule. C'est plutôt pas mal. Regardez, ils se prennent 6 de plus. Allez. Une petite malédiction qui est marquée. Je le marque. Donc, les personnages devront faire plus de dégâts. Allez, allez. Ok, superbe. Allez, on y va. 3 et 3, c'est pas mal. On va essayer de l'infecter. Il a résisté, évidemment. Allez, on leur rentre dedans, je m'en fous. Il faut que je fasse des dégâts maintenant. On arrête de jouer. Esquive, bien joué ça. Malgré ta paranoïa, tu esquives encore les coups.
Ça, c'est vraiment bien. Par contre, vous voyez qu'ils se prennent un max de stress dans la gueule. Allez, manquer les deux, évidemment. Ça, c'est beaucoup plus problématique. Allez, c'est bon, je l'ai marqué, il est mort. On va lui mettre un coup de pioche dans la tête à celui-là. Voilà, 3 points de dégâts. Très bien, très très bien. Histoire de pas spammer toujours les mêmes boutons. Hein. Oh, wow, wow, wow. Ah, ils sont en train de vraiment péter des câbles, vous voyez. Allez, allez. Il ne reste pas grand chose. Après, on a le trésor. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là. On va back. Parce que ce serait peut-être pas prudent de continuer dans cet état-là. Surtout lui, j'ai pas envie de le perdre, elle non plus. Je m'y suis attaché un petit peu, ce qu'il ne faut jamais faire dans le jeu. Mais... Allez, on va la soigner un petit peu. Parfait. Elle reprend quasiment toute sa vie. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je le stun? Non, je lui rentrais dedans. Voilà, bien joué, 8 points de dégâts. Ça, c'est magnifique. Et regardez tout ce qu'on récupère, un talisman de déplacement. On récupère pas mal de trucs, de la nourriture également. Magnifique. Quête terminée. Et ben voilà, on a nettoyé ce morceau de forêt. On retourne au hameau. Et voilà un petit peu comment se passe Darkest Dungeon dans les combats, dans le donjon ténébreux. Alors ça, c'est tout ce qu'on a récupéré. Vous voyez qu'on récupère un peu d'argent. On récupère des bustes, des actes de propriété, des portraits, voilà. On fait suivant. Et là, alors là, si on a de la chance, vous voyez que Stylana va devoir récupérer un attribut supplémentaire. Alors, ça peut être bien comme mal. On va voir si on a de la chance. Équilibre, très bien, résistance au déplacement, plus 15%, donc c'est plutôt bon. On a de la chance sur ce coup-là. Et on retourne au hameau, histoire de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc vous voyez qu'il y a des quêtes qui apparaissent également dans le jeu. Bref, c'est assez intéressant. Voilà. Alors c'est une vidéo qui va être un petit peu longue, j'en suis désolé, mais voilà, il fallait quand même que je vous explique pas mal de choses, même si j'en ai oublié des tas. Mais ça, je pense que je ferai d'autres vidéos un peu plus courtes à l'avenir, et je vous montrerai un petit peu la progression de mes personnages et de l'aventure dans ce jeu qui est formidable. Moi, je vous le conseille fortement. Si vous ne le connaissez pas ou n'avez pas encore essayé, essayez-le, vous allez voir, c'est assez dépaysant, ça change un petit peu des FPS et des MMO, c'est vraiment très 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 bien. Ok, très bien, bah écoutez, on va se laisser là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jouez bien, portez-vous bien, et à plus tout le monde. Allez, ciao !